Faut être à moitié cuisinier, à moitié ingénieur. Sinon, ça marche pas. Des pinces? Non. Attends. Et oh! Ah! C'est bon, ça. Ça sent le gaz. Oh! J'ai vécu cette peau-là. Alright guys, on passe la journée ensemble. Je vous amène dans les coulisses de la Table des Vignerons. Un événement qui célèbre le terroir québécois. Je vous en dis pas trop, on se garde des surprises. Ça va être le fun. Oh yeah, ça va messieurs? Oh yeah! En forme? Je donne-tu trop d'énergie là? Je sais pas là, c'est juste... Premier arrêt, on va aller chercher le pain pour ce soir à la boulangerie chez Guillaume. On les adore, ils font du pain exceptionnel, donc on peut pas être plus fiers de servir ça ce soir. On est là, man. Ça va? C'est un moment exceptionnel pour vous demander de liker et de vous inscrire à la chaîne. Ah non, comment tu dis ça en français? En... Aimez, cliquez sur le petit pouce. Non, mais c'est quoi? C'est s'abonner! C'est ça, excuse-moi. Faut aller chercher la matière première pour cuisiner pour ce soir. T'as pas toujours accès à un frigo proche, fait qu'à tous les jours, faut aller chercher la matière première, loader ça dans le camion, prendre le camion, rapprocher ça à la sœur. Fait que là, ben, on va aller chercher ça. Avec Anne. Fait qu'en tout, sur 4 jours, on nourrit 500 personnes. C'est vrai qu'on a déplacé de la bouffe en masse. Puis, ouah! Ça prend de l'organisation. Alright. L'équipe travaille fort, c'est la mise en place. La partie la plus importante de la journée. Peut-être durant le service, on est efficace. Faut le dire, là, on a vraiment une équipe de feu ici. Here we go! Voici le segment, on fait un tour de la cuisine. Fait que ça commence ici, c'est très humble comme cuisine. Avec la plonge, l'espace de plonge. Jupy qui est en train d'attaquer tranquillement la dune. On n'a absolument pas d'eau chaude, donc on n'a pas le choix pour faire bouillir de l'eau. Ça ressemble à ça. On a le matériel de cuisine. Donc comme on peut voir, on est équipé comme une cuisine professionnelle. On arrive sur la ligne chaude ici. Là où est-ce que Anne opère, les légumes rôtis. Mets ça les carottes, de toute beauté. Ça s'en vient là, tu vas pas loin. Grand service, comment ça fonctionne, c'est pas trop compliqué. Tout sort de la ligne chaude. On va plaiter ici, par la suite. Soit les serveurs, les personnes en cuisine, ramassent des plateaux. Ils sont en salle. Donc là en ce moment, on a un petit problème des pieds. L'eau drainait pas, donc on n'avait pas le choix. Fallait remédier à la situation. L'eau commençait à s'évacuer et à s'accumuler au mauvais endroit. Donc on a un tout nouveau système. Des fois, en événement, tu sais jamais ce qui peut arriver. Hein. Il peut y avoir des bris, mais il faut être prêt à réagir. Là, j'essaie d'allumer une minute. La grille est coincée. Lâchez donc, bon. C'est vraiment important d'être à moitié cuisinier, à moitié ingénieur de boîte à savon chauffante pour être capable de réussir à avoir la bouffe chaude pour un événement à l'extérieur d'une cuisine. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là ça marche pas. Oh yeah! On l'a eu. Je suis en train de faire les soupes à l'oignon. On manque de fromage, mais c'est correct, donne ça au chien. On va aller voir la serre d'agrumes. Me and my chicks. Fait que c'est ici qu'on accueille les clients en premier pour un petit apéro dans la serre d'agrumes.
La salle d'agrumes qui est vraiment un lieu spécial parce qu'il n'y en a pas deux ici comme ça au Québec, même au Canada. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se disent « let's go, on embarque dans un projet, faire pousser des agrumes dans un pays qui est froid ». Moi, un chef qui travaille des produits uniquement du terroir canadien, c'est rare qu'on va se dire « on va utiliser des agrumes » parce qu'il n'y en a juste pas ici. On le voit à l'épicerie, on le prend, on n'imagine même pas d'où ça vient. Mais au Canada, on ne peut pas en faire pousser. Puis de savoir qu'on a une personne qui a décidé de faire ça ici même, bien, soudainement, ce produit-là, qui est comme un peu banal, devient vraiment un produit d'exception. Ça devient aussi, aussi exceptionnel que du caviar. Ça devient aussi exceptionnel que de la truffe, que du foie gras, que peu importe les produits les plus excitants sur le marché, là, celui-là, c'est le number one. En ce moment, je suis en train de pléter le tartare de betterave. On a des trompettes qui sont en train de se faire pléter plus loin sur la table. Le concept ce soir, c'est que les gens vont arriver. Il y a déjà avoir un peu de nourriture sur la table. Comme ça, ils peuvent commencer à grignoter directement. On est vraiment dans les dernières minutes avant le service. Ce soir, c'est un style de service vraiment agréable. C'est convivial. C'est des gros plats de nourriture à partager à volonté. C'est du vin à volonté. L'idée là, ce soir, c'est de recréer la scène à la fin d'Astérix et Obélix où est-ce que tout le monde est à grande tablée. Il y a des gros morceaux de sanglier qui giclent, du vin qui coule, l'abondance du plaisir. Donc en service, il y a un truc que tous les cuisiniers, tous les chefs apprécient énormément, c'est le sentiment d'urgence. Merci d'avoir passé la journée avec moi. On a vécu des hauts, on a vécu des bas, mais au final, les clients sont super contents. Je ne peux pas m'empêcher de vous suggérer de vous abonner à la chaîne. Il y a plein de vidéos qui s'en viennent dans le futur, donc on va passer des bons moments ensemble. Oui, chef!